Bonjour, je m'appelle Fatmata Sidimé, ingénieure des forêts et faune. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de gestion des ressources naturelles et d'accompagnement des communautés locales. Chez Rio Tinto, j'ai plus de 7 ans au sein du département communauté et performance sociale. Voyons ensemble à quoi consiste mon travail. J'ai la responsabilité d'appuyer la mise en œuvre du plan d'aménagement de la forêt classée du Pic de Fon. Aspect social du processus de co-gestion dans lequel les rôles, les responsabilités sont partagés entre l'État, représenté par le Centre forestier de Zérékouré, et les communautés, représentées par les organisations paysannes qui sont les comités de gestion forestière et la confrérie de chasseurs du Pic de Fon. L'objectif de ce plan d'aménagement est de concilier l'exploitation de la mine, la conservation de la biodiversité et le maintien de bonnes relations avec ces communautés, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Pour mieux gérer les ressources naturelles à l'intérieur d'une forêt classée, il est important d'accompagner ces populations riveraines dans la gestion des ressources naturelles au niveau de leur terroir villageois. Nous soutenons ces riverains pour le développement de l'agriculture, de l'élevage et des activités génératrices de revenus. Le programme de développement est réalisé dans les communautés en accord avec les services de l'État et les ONG. Nous appuyons l'amélioration de la gouvernance, la formation de tous ces acteurs et nous organisons des séances de sensibilisation dans les terroirs villageois riverains de cette forêt classée pour la gestion, la protection, l'utilisation durable et légale des ressources issues de cette forêt classée. En tant que Guinéenne, je suis fière de participer au développement de ce projet qui contribue à la gestion responsable des ressources environnementales et sociales de la région. Ensemble, avec Rio Tinto, nous pouvons créer un avenir prospère pour tous.